nous sommes une communauté de 30 moines bénédictins qui vivons dans un lieu assez prestigieux parce que c'est un lieu qui, depuis 14 siècles, est rempli de sainteté. Nous avons la chance d'avoir 40 frères de la communauté qui ont été canonisés, qui ont reçu un culte public. Et évidemment, pour nous, c'est un extraordinaire honneur, mais aussi une exigence, parce que nous devons, nous aussi, marcher sur leurs traces. Voilà, une communauté de moines bénédictins donc, qui donnent leur vie au Seigneur dans la louange de Dieu, dans la vie fraternelle, dans le travail. Une communauté où il y a des anciens, où il y a des plus jeunes, où il y a l'âge intermédiaire. Une communauté qui aime travailler, qui aime vivre ensemble. Une communauté qui aussi, dans un lieu magnifique, au point de vue patrimoine, architecture, art, eh bien, essaie de poursuivre cette œuvre de prière, d'intercession pour le monde. Nous sommes un peu hors du monde, mais pour être au cœur du monde et porter le monde dans notre prière, à nous rappeler que si nous sommes ici-bas, c'est parce que nous avons été appelés par notre Créateur pour le rejoindre. Et dans ce chemin, nous entraînons avec nous tous ceux qui nous sont proches, ceux qui aiment venir se ressourcer au monastère, que nous aimons accueillir, mais aussi ceux qui sont plus loin, ceux qui se posent des questions et qui, peut-être, grâce à ce lieu de paix et de beauté, vont pouvoir rejoindre un peu plus leur Créateur pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans la vie éternelle.